Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc déjà pour commencer, sachez que cette vidéo est montée par Elliot, donc merci à toi, je sais que je le dis à chaque fois qu'une vidéo est montée par Elliot, mais quand même ça montre des choses. Donc maintenant on va tout de suite passer au tutoriel, à savoir comment créer une super bannière YouTube très jolie en 10 minutes grand maximum sur mobile. Donc c'est parti. Bannière YouTube. Maintenant, c'est celle-là, Thumbnail Maker, enfin désolé pour mon accent, mais enfin voilà, regardez le logo. Donc voilà, on va l'installer directement. A few moments later. Ça y est, mesdames et messieurs, l'application est installée, donc on va l'ouvrir directement. Donc là, on va tout autoriser. Ici, vous avez différents petits carrés, vous allez cliquer sur Create, en haut à gauche. Là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir vos dimensions. Donc nous, on veut Size for YouTube. Et il nous faut celle de... On va prendre la plus grosse, en fait, tout simplement. Ok. Donc là, soit vous pouvez choisir parmi la galerie de l'application, ça ce sera votre fond, le fond de la bannière. Soit vous pouvez importer directement depuis votre caméra ou depuis votre galerie en cliquant en haut sur... comme vous pouvez le voir. On va prendre ça, là, c'est stylé. Ok, donc là on va pouvoir sélectionner, donc nous on va prendre une partie jolie de l'image, voilà, là c'est le plus joli. Nickel, let's go. Donc on arrive là-dessus. Maintenant, en bas vous pouvez voir qu'on peut rajouter du texte, des stickers, une image, des effets et un fond. Donc le fond, nous on l'a déjà, on va rien rajouter de plus. Enfin vous pouvez si vous voulez, moi je vais pas le faire. Je vais commencer par rajouter une petite image. Ok, donc là, moi je vais aller depuis la galerie. Et ici. Donc moi j'ai pris cette image là. Ok. Alors on va choisir où la mettre. On va se dire qu'on va la mettre Alors vous voyez, on peut redimensionner. Nous on va se la mettre. Aïe, ça bug. Comment on peut se la mettre? Comme ça, dans le plein milieu. Allez go, comme ça. Voilà, parfait. On va se rajouter un petit stickers pour le plaisir. Vas-y, on va se prendre ce petit drone, je sais même pas pourquoi. De toute façon, il n'y a pas de raison. Puis on va juste écrire en texte, par exemple, supposons Zekrod. Du coup, logique. Merde. Ok. On va ajouter. Là, on peut modifier le titre. Donc, on va le mettre. Alors, niveau police, on se met quoi? On va se mettre ça là, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Là, on a qu'à se le mettre en assorti avec le reste. Donc, on va se le mettre en... Ça ressemble un peu à ça, non, niveau couleur. Comme ça. Après, je peux changer un peu la couleur, mais... Non, au pire, on va se le mettre en gris. C'était beau en gris. Voilà, gris foncé. Nickel. Opacité, on laisse à fond. Shadow, ouais, on veut bien une petite ombre. Ok, l'ombre, on l'a fait quelle couleur? Allez, admettons comme ça, là, pour le plaisir. Voilà. Bon, enfin voilà quoi, vous avez compris le principe. Vous personnalisez tranquillement. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Voilà, moi je vais pas en mettre plus. Donc supposons qu'on fasse comme ça. En réalité, là j'ai été con. Ça c'est directement une bannière que j'avais fait avant. Donc voilà le rendu qu'on peut avoir. Et moi j'ai ajouté la bannière que j'avais fait avant sur une autre bannière. Donc c'est débile. Enfin voilà quoi, le type de bannière que vous pouvez faire avec. Après je vous laisse personnaliser comme vous voulez. C'est franchement très très simple. Et ensuite, en haut à droite, vous cliquez sur la petite flèche qui va vers le bas en rose. Et là, quand vous allez dans votre galerie, on peut voir la bannière du coup que j'ai fabriquée. Donc moi, j'ai fait vraiment un truc claqué parce que je l'ai fait en 2 minutes. Mais si vous vous appliquez un peu, vous ferez un truc franchement magnifique. Je compte sur vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, et bah, à la prochaine. Ciao tout le monde.